Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit Rocket League, tu vas me dire ouais chichi, on te voit plus, qu'est-ce que tu fous. En même temps chichi est débordé, il fait plein de boulot à la fois, il fait plein de choses à la fois. Donc du coup voilà, tu vois, j'ai un petit peu stoppé les vidéos YouTube, mais c'est pour la bonne cause. Mais t'inquiète pas, chichi il est toujours présent, chichi il va continuer à monter hein. Mais pour le moment, chichi, il est pas trop dispo. Oh, c'est pas chose que tu me fais, mec. Alors ça, on appelle ça la technique du crevard. C'est on était tous les deux de la même équipe pour aller mettre un but en face. Et de deux. Ah là, je me sens bon là aujourd'hui. Enfin, j'ai changé de voiture, j'étais avec la Jagger sur PlayStation. Bon, je suis toujours avec la Sancho sur la Xbox, hein, mais sur PlayStation, je suis passé avec la Jagger et j'ai fait pas mal de victoires. Sauf que j'arrive pas à dépasser le niveau du hors 2, hors 3. Et là, je me suis dit, allez, je vais prendre la Octane et je vais également jouer quelques matchs comme ça, tu vois, pour m'habituer. Et... En fait, depuis que j'ai la Octane, je gagne quasiment tous mes matchs. Après, j'ai pas un niveau de malade, hein, mais voilà, j'étais hors de division 1 quand j'ai commencé à changer, que j'ai pris la Octane. Et là, tu vois, je suis déjà hors 3 division 2. Quoi, je suis tout seul? Oh, mais non, mais c'est pas possible. Ouais, on pourra vraiment enchaîner des putains de beaux matchs. Voilà, tu vois, on a quelques petites lacunes, etc. Après on va les améliorer hein. Mais ouais, comme je dis, le but c'est de s'améliorer. Et là avec la Jagger je m'améliorais plus du tout. J'ai pas du tout le... Ah voilà, j'avais quasiment pas le temps de jouer. Et là depuis que je suis avec la Octane, bon, enfin niveau aérien déjà je les gère. J'arrive à les cadrer également. La Jagger, des fois je la contrôlais pas du tout, c'était la voiture qui faisait ce qu'elle voulait. Que la Octane, j'en fais ce que je veux. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de passer platine, minimum platine avec la Octane. Là on appelle ça, t'as pas la chance de ton côté. Non franchement là je m'attendais à la mettre et je l'ai pas. Bah j'ai tiré comme Ok, bon lui il y a vraiment la chatte. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh j'aime pas ça. Ouais t'as compris toi. C'était beau ça. Ah ouais, quand t'es hors 3 et que tu te rapproches du platine, quand tu commences à accélérer ton jeu, la plupart du temps les mecs ils sont perdus. Oh, c'était beau ça. Ah là, franchement, ça c'est du travail d'équipe ça. Alors là, tu vois qu'on a commencé
à prendre du rang, à prendre du level, et le match est beaucoup plus rapide. Allez, ça c'est bon ça. Tu vois, juste accélérer, mais bon, on appelle ça avoir de la chance de cocu parce que là c'est pas possible. Je l'ai vraiment sauvé in extremis sur le poteau et je m'attendais pas à la sortir. Normalement c'est un but pour eux et là on appelle ça vraiment de la chatte. C'est même plus de la chatte quoi, c'est. Bah je serais pas célibataire, tu vois, je l'appellerais directement la meuf en question et puis je dirais écoute cocotte, faut arrêter de me prendre pour un con, qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? Non mais c'est beau ça. Mais ça c'est un beau travail d'équipe ça. On appelle ça avoir de la chatte. Gagner, je prends pas de division, c'est un truc de malade. Hein. Et en face, c'est platine et celui avec qui je jouais, il était platine. Ok. Je vais peut-être prendre deux divisions d'un coup. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Tu le feras dans la prochaine vidéo. C'était Chirica.